groupement européen de professionnels plus dynamiques et plus audacieux. 50 654 créations d'entreprises. Votre emploi, votre réussite. 06 93 50 96 50. Ici. Réunion, Mayotte, Caraïbes, France, Belgique, les îles Canaries, l'île Maurice, l'océan Indien, Madagascar, toute la francophonie. 220 millions, 225 millions de francophones. Bien, on va vous parler donc du SEO. Search Engine Optimization. Yeah. Et ouais, effectivement, si vous avez entendu parler du SEO, le trafic gratuit pour pouvoir être vu, être vu pour être vendu tout simplement. Sinon, si vous n'êtes pas vu, vous n'allez pas être vendu. Et si vous n'êtes pas vendu, vous n'allez pas pouvoir faire de l'oseille, pas pouvoir faire du cash. Alors donc, je vais vous donner quelques conseils sur cette leçon 1 sur le SEO. Un coucou à Alicia de l'île Maurice. Alicia, c'est pour toi cette vidéo. Alors donc, il faut aller tout simplement espionner les concurrents, que ce soit une thématique, par exemple, création d'entreprise, taper création d'entreprise et aller sur les sites qui sont référencés et voir le nombre de mots, l'article, aller espionner et ne pas copier. Parce que si vous copiez, vous allez faire du plagiat et ça, les robots de Google détestent ça. Aller s'inspirer, voir qu'est-ce que les concurrents ont dit, qu'est-ce que les concurrents font, et trouver quelques idées et faire plus. Si le concurrent a fait un article de 2000 mots, ben vous allez pouvoir faire un article de 2300 mots. Vous allez rajouter 300 mots et vous allez passer devant votre concurrent. Ensuite, il faut que laisser un peu de temps votre site pour que les robots de Google puissent venir et analyser votre site. Après, il faut tout simplement mettre des liens d'autres sites pour que les gens restent sur votre site. Mettre au moins entre 2 et 3 et 5 liens. Pour que les gens restent sur le site, et plus les gens vont rester sur votre site, plus l'algorithme Google va vous mettre en avant. Ensuite, dans la méta description, vous savez, c'est la première phrase ici, je crois il y a 160 caractères, il faut mettre le mot clé. Si c'est création d'entreprise, ben, il faut mettre dans la méta description création d'entreprise. Par exemple, si c'est pour entreprendre mieux ou entreprendre efficacement, ben, il faut mettre entreprendre mieux, entreprendre efficacement, tout simplement, dans le titre et répéter à 3 ou à 4 reprises dans l'article que vous allez écrire. Mais il faut juste tout simplement espionner les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, et pour pouvoir faire mieux, tout simplement. Faire comme les Japonais, espionner tout simplement et faire mieux. C'est comme ça que le Japon était première puissance mondiale à une certaine époque. Puisque ben, ils sont très compétitifs, très forts. Ensuite, donc, SEO. Après avoir espionné les concurrents, ben, tout simplement, il faut mettre des liens pour ranker votre site. Des liens entrants et des liens sortants. Par exemple, si vous avez des réseaux sociaux, eh ben, il faut mettre des liens de votre réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou alors encore LinkedIn. Mettre des liens vers vos réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, mettre des liens, le lien de votre site pour que il y a des sites qui vont pointer vers votre site. Donc c'est les échanges pour être bien ranké. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment mélanger le SEA et le SEO pour décoller plus vite si ça vous intéresse. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez
apprendre. Est-ce que vous aimeriez apprendre aussi à faire du storytelling, l'art de raconter des histoires en marketing? Est-ce que vous avez envie de comprendre et de savoir comment faire du copywriting? Copywriting, c'est l'art d'écrire des articles, l'art d'écrire des articles pour les sites de e-commerce, pour les blogs tout simplement, parce qu'il y a tout un art pour apprendre tout simplement. Voilà, donc cette vidéo va se terminer là. Volontairement, je fais des séances courtes pour que vous puissiez bien comprendre. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à y aller et liker. Alors, liker, laisser un pouce et partager tout simplement. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.